Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce Let's Play d'Half-Life 2. La dernière fois c'était la guerre. Enfin bref, nous avions échoué à aller récupérer le docteur Ellie qui était emprisonné à Nova Prospect. À la suite de quoi on s'était téléporté pour se retrouver une semaine dans le futur. T'es vraiment très efficace, toi. Je t'aime bien. Par contre, j'ai plus de balles. Oui. Enfin. Voyons voir. Oh, des balles. Ça tombe bien, j'en manquais. D'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je crois que... Ouais, no way. Oh, merci. Je t'aime bien, toi. T'es mon pote. C'est pas un peu dangereux? Hey, hey! Non! Chien! Bon. Tentons de nous échapper dans ce cas-là. Je pense que chien peut se débrouiller tout seul, après tout. C'est un grand garçon et il y a un problème de texture ici. Enfin. Donc, comme disais-je... Oh. Nous avions échoué à récupérer le docteur Ellie à Nova Prospect, à la suite de quoi le docteur Mossman nous a trahis. Et en prenant un téléporteur, on s'était retrouvé donc une semaine dans le futur. Et pendant ce temps-là, eh bien, la résistance a foutu la merde. Elle se bat activement contre les... Contre les Combines, le cartel. Puisque les actions de Freeman à Nova Prospect a inspiré les gens à prendre les armes et à se rébeller. Et ici, on se retrouve au début du jeu. Sauf que cette fois on a des armes et des ennemis. Ah bah tiens, d'ailleurs il y a un résistant là-bas. On va aller le rejoindre dans un instant, je vais bien tout explorer. Puisque maintenant nous sommes plus libres de nos mouvements qu'au début du jeu. Peut-être pourrons-nous trouver une cache d'armes. Oh, salut, tu viens avec moi? Ah, Dr. Freeman, il était temps. Alors ça c'est autre chose que j'avais pas évoqué parce que j'avais pas eu trop l'occasion, puis même ça m'avait pas trop traversé l'esprit. Les membres de la rébellion, si vous leur parlez, comme dans Half-Life 1, hein, vous allez vers eux, vous appuyez sur E, ils vont vous suivre. Et puis vous pouvez voir en bas à droite, j'ai un indicateur qui indique le nombre d'unités dont je dispose. Je crois que ça va jusqu'à 6, je ne suis pas sûr. Fidèle à notre nature et notre débit. Bien wesh les mecs. Oui, c'est moi. On vient avec vous. Ouais, c'est Freeman, on va enfin pouvoir avancer. 4 au maximum, succès déverrouillé, suivez Freeman. À mon avis, on peut envoyer les unités sur un lieu précis avec la touche C. Ça c'est encore un truc que j'ai jamais utilisé, on va dire. Notre mieux, Doc. Ouais, je sais, moi aussi je fais de mon mieux. Par contre, je sais pas trop où on doit aller, je crois que c'est par là. Ou alors dans la gare. Qu'est-ce qu'on doit se mettre, Dr. Freeman ? Bah, j'aimerais bien le savoir, vois-tu, ma chère ? Peut-être. Je me sens un peu. C'est vous le boss. Je dois vous avouer que là, je me sens un peu stupide parce que j'arrive pas à trouver la suite du jeu. Bon, on va aller voir par là-bas, hein. Oui, je sais, vous êtes des copains, vous m'aimez bien, moi je vous aime bien aussi. Le problème c'est que je sais pas où vous envoyer puisque... Ben... J'ai l'impression d'avoir nulle part où aller. Bon, je reviens sur... Ouais, je sais. Bon. Un petit fail en début d'épisode, hein, c'est de bon augure. Alors, où est-ce que je vais moi maintenant, bordel? Le seul truc que j'ai vu qui avait l'air à peu près ouvert, c'est cette grille là. D'accord. Fallait savoir que ça s'ouvrait en s'approchant, ça. Oh, bah dis donc, il y a beaucoup de chargements dans cette zone, hein. Pourtant, elles sont pas très grandes, c'est bizarre. Enfin bon, bah, maintenant qu'on a une armée personnelle à nos côtés, je pense qu'on va pouvoir en profiter pour... Salut. Attention aux mines, il y en a partout. Je vois ça, ouais. C'est un peu de la merde quand même. J'ai remarqué que certaines personnes m'appelaient collaborateur comme si ce mot reflétait la honte.
Ouais bah je crois qu'avec le monde d'Half-Life nous avons également le droit à une oh. À une comparaison avec le troisième Reich. Le deuxième Reich pardon. Le troisième ou le deuxième je sais pas. C'est un peu de la merde ces trucs, comment je les déclenche hein. Ah d'accord. Avec le Gravity Gun tout simplement. Elles seront utiles contre les cartels. Ouais mais le problème c'est qu'elles se réactivent juste derrière. Prendre ces mines sans les faire sauter, vous pourrez les poser où vous voulez. Ouais mais est-ce qu'elles deviennent alliées après? On va essayer, au pire ça sera un fail sans grande conséquence puisque nous avons un point de sauvegarde juste derrière. Elles sont marrantes ces mines, j'aime bien. Je me décale. Ok, donc on pourra utiliser ces mines contre le cartel, visiblement. Oh oh. Ah, il est mort. Putain, j'ai eu peur. Je me demande si elle se plante dans tous les types de... Ouais. Apparemment, ça se plante partout dans le sol, même si c'est du béton. Salut. Ah, y'a un médecin ici. What? C'est un peu dangereux là-bas, je crois que... Je crois que je vais rester là. Non, je déconne bien évidemment tout ce que je vais faire. Ah mais ils m'ont... Vous venez pas, vous? Bah voilà. Allez, venez. Allez, on se dépêche. Un par un. Allez, tu viens, chérie. Ou alors elle est pas à considérer comme étant avec moi, étant donné que j'ai un médecin qui s'est rajouté à mon équipe. On va garder le médecin plutôt, hein. Je préfère, pour des raisons de sécurité. Voilà. Plutôt calme ici. Où ils sont? Où ils sont? Ah. D'accord, sur les petits drones. Ah parce qu'ils posent des mines partout en fait. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Oh. Attention aux mines, il y en a partout. Ouais je vois ça, c'est bon, j'ai des yeux. Oh. Fuck. J'essaye de faire compliqué alors que je pourrais faire vachement plus simple, mais bon. M'en voulez pas. J'aime bien m'amuser un peu avec les diverses possibilités que ce jeu offre de tuer les ennemis. Pourquoi se contenter de spammer un fusil à pompe ou je sais pas moi, un fusil d'assaut quand vous avez un gravity gun qui vous permet de balancer des mines? Franchement. Hein? Pourquoi se faire chier? Enfin non, c'est pas une question de se faire chier, c'est une question de s'amuser. Ouais, je te vois toi. Après tout, j'ai pas vraiment utilisé le Gravity Gun jusque là, donc c'est vraiment une occasion en or. Est-ce que j'ai perdu mon escouade ou est-ce qu'ils ont juste l'incapacité de passer à cause du fait qu'il y a un... Une mine ou... Venez. Pardon. Suivez Freeman. Allez, on y va. Et toi là? T'es bloqué aussi? Il est où le quatrième? C'est pas possible ça. Moi je veux jouer avec des alliés. Allez. Pardon. Ouais. Tu peux t'excuser connard. C'est bon, vous me suivez là? Ok, nickel. Oups. On va garder ça sous la main quand même pour des raisons de sécurité. Oui, pour des raisons de sécurité, je garde un objet explosif dans ma main. Oups.
Par contre, on va pouvoir se passer de celui-là, je pense. Et de celui-là aussi. Ok. Pardon. Quand je rentre dans un tout petit endroit confiné, merci de ne pas me suivre comme des petits chiens. C'est très inconfortable et embarrassant en plus. Après, les gens vont s'imaginer des choses. Alors que bon, tout le monde sait que Gordon Freeman n'est pas... Voilà quoi, il n'est pas... C'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on peut monter? On peut monter, mais on peut descendre aussi, donc... Enfin, on peut sortir, donc... Je sais pas trop quoi faire, là, tout de suite. Ok! On aurait dit la scène de Silent Hill 2 avec le mec dans le canapé devant la téloche qui ne fonctionne pas. Oh! J'ai trouvé une pastèque! Les mecs, je crois que là c'est game over là. Là on a la strat ultime pour défaire le cartel. Dégagez! Dégagez! On a la strat ultime pour défaire le cartel. On a la pastèque. Oh, ma pastèque! Enfoiré! Y'a rien ici en plus. Donc en fait, je suis un peu monté pour rien. C'est pas très grave. Allez, bougez-vous! 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 Toutes les autres portes sont fermées, donc c'est pas la peine. Par contre. Voilà! Je vais garder ça sous la main quand même. Ok. Voilà, je croyais que ça c'était des power-up. Je suis désolé, j'avance pas très vite, hein. Je m'amuse un peu aussi. Donc on ne doit pas passer par là de façon assez évidente, je crois. Gémissement. C'est Hey, docteur! Excusez-moi. J'ai pas besoin de vous par contre, donc restez à vous occuper de ce cher monsieur. Sinon il ne survivra pas. Ici c'est fermé. Hop. Allons par là. Allons voir ce que nous pouvons y découvrir. Ha, tu crois que je t'ai pas vu? Saloperie, va. Attendez-moi. C'est Facehugger qui se croit malin, genre hey, je vais me cacher derrière une caisse de munitions. Je ne suis pas dupe. Enfin, j'étais dupe les 15 premières fois, mais pas la 16ème. Ah, dommage, on peut pas prendre des machines à laver avec ça. Par contre, on peut prendre des radiateurs, et les radiateurs, c'est assez lourd. Je crois que je l'avais déjà fait, en plus, le coup du radiateur, je crois que je l'avais déjà fait. Excusez-moi, poussez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Bon, reste là, toi, de toute façon. On va pas non plus abuser du gravity gun, parce que c'était fun. Bonjour. On s'approprie les lieux, on n'en voulait pas trop. Où ça? T'as vu un membre du cartel quelque part? Moi j'ai vu personne. Absolument personne. Nope, nope. Soigne-moi un coup. M'en fous, je voulais que tu me soignes, pas que tu me racontes ta vie. Rien à faire ici. Mais... Je crois que je vais me balader tout seul parce que c'est bien d'avoir des alliés et tout ça, mais franchement, si c'est pour qu'ils restent dans le chemin sans arrêt, c'est pas la peine. Hein. Pardon. Oh, la pastèque! La pastèque! Toi, tu touches pas ma pastèque, enfoiré. Tu peux crever de faim, tu n'auras jamais ma pastèque. Ici, des outils de torture. J'aime bien le bruit que la pastèque fait quand je la frotte au visage des autres. Mange ça! D'ailleurs, ça lui a fait des dégâts parce que une cartouche de fusil à pompe à cette distance, je doute que ça tue quelqu'un aussi facilement. D'ailleurs, on a des tourelles qu'on va pouvoir mettre à notre... Merde! Mon médecin est mort. Tchali! Enfin, un de mes médecins est mort. J'ai une petite armée de médecins pour moi.
censé pouvoir activer la... Ah. LOL. Je pensais vraiment pas que ça les aurait. C'est assez étrange. En tout cas, la musique est très hype. Très... très swag. Ah pardon, attendez. Laissez-moi vous débarrasser de ça. Un petit instant. Bien joué. J'en ai eu 150 depuis le début du jeu. Et encore, j'ai pas compté. J'ai juste dit un chiffre au hasard. Je suppose qu'on est censé passer par là en fait. Pour continuer le jeu. Je crois. Alors je vais essayer déjà de revenir en arrière. Parce que je sais pas si c'est possible d'entrer dans le... Je sais pas si c'est possible d'entrer à l'intérieur. En tout cas ici ça respawn à l'infini, donc je vais laisser tomber l'idée. Je pense pouvoir découvrir... Enfin, je pense avoir compris que les ennemis respawnaient à l'infini jusqu'à ce qu'on décide de poursuivre. Donc on va aller par là. Et puis on va partir là-dessus. Qu'est-ce que nous avons là? Rien. Dégage. Dégage. Ok, c'est un allié. Vous voyez son ombre sur le sol, je me suis dit... Ah, il y a un ennemi par là. Ok. Pardon. Oh! Ah, zut. Oups, c'est pas grave. On va remonter. Je suis désolé si je parle pas beaucoup, là je suis un peu pris par le jeu, on va dire. Ça m'arrive rarement d'être dans l'incapacité totale de m'exprimer pendant que je joue, mais là c'est un de ces coups. Je l'ai eu. Ok, on avance doucement, doucement. Des ordinateurs. On pourrait peut-être se faire une petite partie de CS. Mais avant toute chose, on va se remettre un peu d'énergie. Ça fait jamais de mal. Ça fait même du bien, dirais-je. Oui, bah merci, hein. Allez, dégage. Dégage. Tenez, soignez-vous. C'est vrai. Tu me soignes? Tu me soignes? Va te faire foutre. Moi aussi, je te déteste. Ouais, oups. Ok, rien ici. Ouais, ouais, c'est ça, excuse-toi. Voyons voir au rez-de-chaussée d'abord. Oh! On a encore subi un mort. Oups, une cartouche. Je fais pas gaffe à ce genre de détails là, je deviens un peu mauvais avec le shooting. Je suis un peu en train d'y aller à la mode bourrin. Bon, lui, il m'a bien mis dans la tronche. D'accord, ok. Tiens, bah, je vais... Ouais, mettez-vous là. Moi, je vais aller voir là-haut. Comme ça, ils me gêneront pas pendant mes déplacements. Oups! Aïe, aïe. Bon, il y avait rien ici, c'était juste un piège à la... Pourquoi vous m'avez suivi? Je vous ai dit... Je vous ai dit... Ok, suis-moi. Comme vous voudrez. Suivez-moi, allez-y. Est-ce que... Ils ne me suivent pas? Bien joué, Doc. Bien joué, Doc. Ça me rappelle un truc. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je peux me démerder sans eux. C'est pas comme s'ils étaient
Alors ici nous avons un petit couloir. Je crois que ça a fait 2-3 morts quand même. Oups. Je vous hais les mecs. Je vous hais. Oh fuck. Pardon. Ok, tout est clean ici, plus ou moins. Ok. On va se recharger un petit coup. Parfait. Aïe. Oh wow. Je me suis bien fait avoir sur ce coup là. Autant les autres je les avais vus, autant celle là elle m'a échappé. Je peux pas bouger ça, c'est bizarre. Étrange, étrange. Bon. Ouh là là, c'est une hécatombe ici. Ah, je me disais aussi, tiens c'est marrant, il y a une moitié de corps ici. Et bah l'autre moitié était juste derrière. Me donne pas d'ordre toi, sinon je te laisse derrière. Putain. Ah merde, je voulais explorer les escaliers d'abord. Oh bah je vais sûrement devoir me retaper un chargement pour aller voir ce qu'il y a derrière et finalement me rendre compte que c'était un cul-de-sac qui ne mène à rien. C'est pas grave, j'aime bien explorer. Étrange, un cul-de-sac qui ne mène à rien. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Enfin, pas totalement rien, puisque nous avons ça ici. Qui pourra servir. Allez. Enfin, je peux me contenter de détruire les machins et les récupérer à travers la barrière, mais c'est moins drôle. Ok, on va se retaper le chargement, c'est parti. En espérant qu'il soit pas trop long, puisque ça a déjà été chargé, mais... à mon avis, il a dû l'enlever de sa mémoire, le niveau, pour pouvoir recharger celui... J'ai perdu une unité qui est dans le chargement. C'est pas grave, moins ils sont nombreux, plus vite... Je pourrais me déplacer. Ah, salut. Freeman, le cartel a coupé notre tunnel en deux. Si vous nous rejoignez, on essaiera de passer leur avant-poste. Bah, suivez-moi alors. Quoi ? Quoi ? Oh. Pas de panique, les amis. J'ai un petit flingue que j'ai pas sorti depuis des épisodes. Holy shit ! Non ! Oh ! Beaucoup de cartouches pour se débarrasser de ces trucs. Alors je crois qu'on va juste continuer parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils reviennent à l'infini. Comme beaucoup de choses dans ce jeu. Mais pas comme les munitions. Hélas. Hélas, hélas. Les munitions, elles, ne reviennent pas à l'infini. Sauf si vous trouvez bien entendu une caisse. Vous arrivez à vous déplacer dans ces décombres ou il faut que je vous assiste hein? Fuck. Je vais poursuivre parce que là, ouais, il continue de revenir à l'infini. D'ailleurs... Ah ! Oh putain, il était juste au-dessus de ma tête. Oh fuck. Retour à la bataille. Ah.
Ok. Nice, nice. Ok. Oh shit. Ah. Où ça? Au-dessus? Bah, où est-ce qu'ils sont? Good. Je crois que c'est à ce moment-là. Salut. C'est bien vous. Une minute. Je pose des charges pour ouvrir tout ça. Des charges? Attends, je m'en vais. Ouh. Ah bon, d'accord. Ça explique pas mal de choses. Eh ben quel bordel! C'est bon? Activation de réserve. C'est bon? C'est bon. Ok. On y va. Dégage. Allez-vous-en. Un peu de calme. Vraiment le bordel ici, hein. Qu'est-ce que nous avons là? Cette porte est fermée de l'autre côté, docteur. Vous avez peut-être une solution? Ça va, j'ai compris. Restez là, vous. C'est parti, doc. Restez là et surveillez. La combi va être utile. Qu'est-ce que t'en sais? T'es même pas passé. Ah d'accord, j'entends mon compteur GGR qui s'affole. Certes, des produits toxiques. Ah là là, ça m'avait manqué des niveaux d'égout. Avec des risques de... Oh shit. Et une scie ici. Je vais la garder de côté. Au cas où il y ait un individu. Genre ça? Ça m'avait manqué, les scies. Ok. Avance. Petit pas à petit pas. Des zombies qui sortent des égouts comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Wow! Ah! Ah! Hein? D'autres amateurs? Bon, j'ai plus de lampe torche. Bon, attends, j'arrive pas à les mettre correctement. Hop. Ça devrait être un peu plus rapide de circuler avec ça. Bien essayé. Ok. Les facehuggers ne peuvent pas survivre dans le... les déchets radioactifs, visiblement. Ah, ok. Nous sommes arrivés, je crois.
Quoique il nous en reste encore un tout petit bout à explorer, puisque nous allons devoir monter là-haut et non pas monter en bas, comme certains pourraient s'empresser de me le faire remarquer. Oh, des canalisations, génial, j'aime les canalisations. Et bien entendu, j'ose espérer qu'il n'y aura pas de facehugger à l'intérieur de ces dites canalisations, n'est-ce pas? Je me demande quelle est la différence entre ces quatre entrées de conduit. Probablement rien, mais je vais prendre celui qui est tout au fond, peut-être parce qu'il y a un bonus derrière une barrière ou quelque chose de ce goût-là. Menace radioactive détectée. Vous pouvez arrêter de me donner des succès à l'appel comme ça, c'est un peu embarrassant. Après, vous me faites croire que je suis en train de réussir ma vie alors que pas du tout. Hey, c'est moi, ouvrez cette porte. Non. Bon, allez. Je vous en ai tiré, je m'en doutais. C'est bien. T'es trop prévoyant, toi. T'as vraiment un don de voyance. Est-ce que t'as essayé de devenir marabout, guérisseur, coupeur de feu, tout? Ok, évidemment, il n'y avait rien ici, donc je viens de perdre le temps de tout le monde en faisant ceci. C'est pas grave. Je garde mon Colt sous la main parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, que je pense que j'ai dû tomber sur quelques réserves de munitions que je n'ai pas pu ramasser étant donné que j'étais full. Ouais, suivez tous Freeman, mais par contre, si vous pouviez éviter de vous mettre sur son chemin, ça serait top. Que dis-je, ça serait génial, ça serait dantesque, ça serait fabuleux. Deux médecins à bord. Tant mieux, hein, parce que je sens que je vais en avoir besoin. Un pressentiment, comme ça. Bah déjà, si ça tire des roquettes, c'est sûr que je vais en avoir besoin d'un médecin, hein. Putain de ta race! Bon, bah je vous laisse vous occuper des... Tu ne seras pas en vie. Casse-toi! Casse-toi! Ok. Non, c'est une mauvaise idée. Je voulais faire un truc, mais c'est une très mauvaise idée. À la place, on va se contenter de ça. Pardon, pardon, pardon. Sérieux, les mecs? Vous voulez que je vous abandonne derrière? Je devrais peut-être faire ça, d'ailleurs. Ça me permettrait d'avancer un peu plus vite. Bon, je sais que je perds pas mal de temps moi-même en faisant des conneries et en m'arrêtant pour checker... Ouais, bah tu me l'as pas donné à moi, j'imagine, hein. Parce que moi je suis à 95. Ok. C'est bon? Ok. Poursuivons. Ouais, on va pas y aller tout de suite ici. Déjà, on va aller voir la salle de bain, je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants. Un peu du gâchis de munitions ce que je suis en train de faire, mais ça me fait plaisir. J'aime bien défoncer du cartel, vous ne pouvez pas me le reprocher. Si vous jouiez au jeu, vous aussi, vous prendriez chaque opportunité de défoncer du cartel comme un instant béni, accordé par Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver une idée. Est-ce que c'est vous le couple au tout début qui était désespéré dans un canapé? C'est exactement les mêmes répliques en plus. Pitié. La meuf, elle est passée de soumise à révolutionnaire, mais elle continue de chialer comme une pauvre gonzesse. Oh, fusil à pompe. Désolé pour les gonzesses, si vous prenez cela comme une insulte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Yoink. Bon, apparemment... Ça servait à quelque chose. Hey! Yo! Sortez-vous! En même temps, si tu t'étais retourné avec un fusil à pompe, peut-être que t'aurais pas eu à fuir et à mourir. Génial.
Si tu le dis, ma chérie, si tu le dis. On va sortir un peu le magnum parce que j'aime bien le bruit que fait le magnum et... Hey! Par contre, si vous prenez des dégâts pendant que vous visez, ça... Ça chie un peu dans la colle. Donc en fait, le magnum, ça serait plus... ça serait limite une arme de précision, le magnum, parce que... Les balles sont rares. Disais-je. Je peux me soigner, médecin? Help. Prenez une trousse de secours. Yeah, merci. Ok, on avance. Oh, putain, t'as failli m'écraser, enfoiré. Pas tout de suite, pas tout de suite. Faut que je fouille d'abord. Genre ça. Merci. C'est exactement ce que je cherchais. Yo. Ah, des munitions. Nice. Mais vous êtes vraiment pas doué, hein. Je dois rester au cas où quelqu'un voudrait traverser. Ah mais moi j'aurais besoin d'un médecin là en fait, t'as vu, tu vois. Médecin ? Je ne ressens plus rien. Médecin ? Trousse de secours. Merci. Trousse de secours. Bougez-vous. Merci. Venez, soyez... J'ai essayé de les sauver de la grenade, j'ai fait ce que j'ai pu mais un peu en retard malheureusement. Voilà. Ça balance encore des grenades à ce que j'entends. C'est vraiment le bordel ici, hein. Oh ! Ah ! Ah ! Pas cette fois. Pas aujourd'hui. Pas maintenant ! Putain, vous êtes nombreux, bordel, hein. Ah ! Ah ! Connard ! J'aurais dû m'y attendre en même temps, connaissant le jeu. Mais cassez-vous ! Eh bah fais ça, mais reste pas dans mon chemin. Saloperie. C'est que ça saute en plus, ces saloperies, hein. Encore un. Je l'entends. C'est pas la peine de me mentir, je l'entends. Aïe. Et toi tu descends... Aïe. Et toi tu descends au moment où la grenade explose. T'as un instinct de survie un peu douteux, ma chère. Ok. Je savais qu'il y avait des saloperies ici. Vu le nombre de caisses de munitions, c'était prévisible. Oh. Encore un qui se cache quelque part? Non, c'est bon. Ok, on va revenir un petit coup en arrière. Je sais, je le fais souvent, mais c'est pour une bonne raison. C'est que j'aime bien explorer. Ok, le jeu n'aime pas que j'explore. Pardon, donc... Désolé, désolé. Ici, qu'avons... Ah ! Je m'en sors pas des masses. J'essaye de varier un peu mon gameplay en changeant d'arme et tout ça, mais... Shit. Suis blessé. Où est-ce qu'il est ? Mais... Putain, depuis tout à l'heure, il était pas mort, lui, encore. Mais sérieux, c'est quoi, cette résistance à la mort, moi, le nœud? Putain. J'hésite à revenir, là, pour aller voir de ce côté-là. Parce que là, j'ai l'impression que ça continue. Casse-toi. Bah voilà. Hein, voilà ce qui arrive. Ah, ah. Qui c'est qui a jeté la grenade? Où suis-je? Où vais-je? Que vois-je? D'accord, ok. C'est officiellement l'heure de faire demi-tour pour aller voir de ce côté-là ce qui s'y trame. J'ai deux membres d'équipe qui sont je sais pas trop où... Il se balade. Ah mais non, reviens ici, d'accord. Donc en fait, depuis tout à l'heure, on n'a pas changé de quartier, c'est juste qu'on visite chaque immeuble, chaque étage et chaque chambre de la ville.
Et j'aime bien Léo qui me disait il y a 6-7 épisodes en arrière, ah mais t'as bientôt fini le jeu en fait. Non Léo. Mais mettez-vous pas dans mon chemin quand je vais tirer une balle. T'es mais sérieux les mecs, vous êtes là avec un magnum en train de tirer et le gars il se met juste devant vous. J'arrive pas à tirer. Voilà. Ensuite on abaisse ça et on avance. Ah mais... Sérieux, c'est. Ils apprennent ça à l'école tactique de foncer dans les gens. Des gens qui sont armés jusqu'aux dents, tu leur fonces dessus. Ça spawn. Dommage. J'ai voulu faire une entrée à la Schwarzenegger, ça a raté. Ow. Mais sérieux, vous êtes deux contre un et vous arrivez même pas à le tuer, mais vous êtes vraiment mauvais, hein. Putain, même Alix qui a un pauvre petit flingue de merde, elle se démerde mieux que vous. C'est dire. Casse-toi. Petite technique. Petite technique, alors c'est pas du tout ça. Mais vous êtes vraiment mauvais, ma parole. Ah, c'est bon, vous l'avez eu, c'est cool, c'est bien, vous êtes fort. Restez pas dans mon chemin. Ah. Vous êtes stressants, les mecs, hein. Pas par ici, donc. Rien ici. Non. Non, non, non. Définitivement non. Par là peut-être? Nope. Oups. Oui, oups. Casse-toi. Ah, lol. J'avais pas vu ça. Ah! Ça faisait longtemps. Ça faisait définitivement longtemps. Vous pouvez me protéger s'il vous plaît? Oh, en fait non, c'est bon, pas besoin. Mon fusil à pompe me protège mieux que vous les mecs. Le visage de l'horreur. Ok. Pardon, Doc. Donc on descend là. On y est. Et on peut poursuivre. Alors je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre. Donc la petite technique, c'est un peu comme préparer la grenade, la garder en main quelques secondes avant de la jeter, sauf que dans ce jeu c'est pas possible. Mais c'est quoi ce bordel? Putain, ça tire dans tous les sens, il y a des zombies, il y a des cartels, il y a des grenades, il y a des machins, il y a des trucs. Ah oh. Donc vous lancez la grenade sur le sol légèrement avant de la jeter. Enfin avant de la récupérer et de la jeter. Vous attendez quelques petites secondes. Et ça vous permettra de la lancer et donc d'éviter. Enfin de la lancer alors qu'elle s'apprête à exploser. Et donc éviter que les membres du cartel s'écartent. Enfin que vos ennemis s'écartent de la grenade pour éviter de se la prendre. C'est le même principe que de garder une grenade en main pendant 2 secondes avant de la balancer, comme ça elle explose directement à l'impact pratiquement. C'est une technique qui s'utilise beaucoup dans les FPS. Hein. Beaucoup moins dans Half-Life, mais ça peut être fait quand même. Le problème c'est que c'est dangereux parce que comme vous avez vu, la grenade bah, elle reste pas sur le sol juste devant vous quand vous la balancez quoi. Elle rebondit, elle avance, elle glisse. Ok.
Alix? Oh! Alix! Je savais que je vous trouverais ici. Ouais, ok. Le docteur Kleiner est en sécurité. On peut rejoindre Barney. Pourquoi ici spécifiquement? Il y a un centre de contrôle en bas. J'espère trouver des infos sur l'emplacement des générateurs. Prêt? Allons-y. Bon, les mecs, vous restez ici, j'ai plus besoin de vous. J'ai Alix maintenant. Elle vous bat sur tous les plans. Tous les plans. Précision, dégâts. Pardonnez-moi. Oh, bon. Non! Juste non! Vous me suivez pas! Je ne veux plus de vous! Zut! Ok. Non! Vous restez là! Vous ne me suivez pas, je ne veux plus de vous. Je vous renie, je vous conchis. Bon, ça va pas marcher cette fois-ci parce que... il a utilisé la tactique de foncer dans l'ennemi comme un demeuré sans réfléchir aux conséquences. Donc forcément, le coup de la grenade n'a pas fonctionné. Ok, on va récupérer un peu d'énergie. Et puis, dès que j'aurai l'impression qu'on a accompli quelque chose, je vous quitterai. Parce que là, faut quand même l'avouer, j'avance, je tue des ennemis, j'avance, des alliés meurent, j'avance. Mais on n'arrive nulle part. C'est fort dommageable. Ok, ça y est. Prenez cette porte. Je prends celle-ci. Quand vous voulez. 1, 2, 3. Le cartel! Nickel. On a de la chance. Il y a un générateur dans le square. Avantageux. Le square? Essayez d'en désactiver un maximum pour affaiblir le cartel dans ce secteur. Quelques minutes et j'expose le noyau. Après, okay. Tirez avec le pistolet anti-gravité. Yeah. En attendant, couvrez-moi. Si tu veux. Ta-ta-da, ta-ta-da, ta-ta. Allons-y. On revient là, d'accord, ok. Désolé, Doc. Arrêtez de me suivre, putain. Maintenant, je sais ce que c'est d'être célèbre, hein. Oui, parce que bon, avec ma chaîne YouTube, je suis pas vraiment célèbre. Ah! Tu vas pas t'y coller, Alix, c'est bon quoi. Ok, alors là c'est calme. Ils ont vu. Vite! Ils sont où? Ah! Mais... j'ai plus de. D'accord. Ouais, je m'en fous. Fais ton travail, je fais le mien. Hop là. Et... hop là. C'est parti pour une nouvelle séance de défense. Je sais pas si c'est les balles qui ne touchent pas au but ou s'ils sont plus résistants au magnum qu'ils ne l'étaient dans Half-Life 1.
fait, j'ai trouvé la tactique pour le Magnum. Vous visez un petit peu avec le zoom. Puis comme quand vous allez tirer, le zoom va s'en aller, bah... Oups. Ça commence à s'agiter, là. On va s'occuper de ce côté-là. Minable cette grenade. Déjà ? Le bouclier externe. C'est bon, t'as fini ? Apparemment, elle a pas fini encore. Ah, raté. J'ai complètement raté ma grenade, ça m'a porté préjudice. Ça va être à moi de jouer. Ah putain, j'ai plus de grenades. Ça commence à être tendu. Ah, ok. Allez. Ah, attendez. Ah, c'est les boucliers internes, pardon. C'est pas encore pour tout de suite alors. Ah, je vais mourir. Eh ben, j'ai vraiment merdé. C'est vrai que je suis assez bas en vie en fait, j'avais même pas remarqué. Oh. C'est là que j'aurais bien besoin d'un médecin, hein. C'est dommage que j'ai pas de médecin maintenant que j'en ai besoin, hein. J'ai vraiment que dalle. J'ai gâché toutes mes munitions comme un putain de demeuré. Du coup, j'ai plus grand chose pour me défendre là. Ah bah. Le truc, c'est que je trouve qu'il s'approche vachement de la zone de. La zone de conflit. Et ça, c'est pas un comportement que je jugerais normal. Je sais pas, quand il y a un combat avec des armes à feu qui se passent sur une place dégagée comme ça, je pense qu'à mon avis, le réflexe le plus intelligent, c'est de pas foncer au corps à corps comme un demeuré. Tenez la ligne pendant que je me remets de la vie. Ah, mais pourquoi tu changes d'arme ? Putain ! C'est ça, ouais. Putain! Tirez avec le pistolet anti-gravité. Mais c'est quoi ça? Putain, mais moi je veux bien défendre la base contre les attaques, mais vous m'avez pas donné de munitions. J'ai pas beaucoup d'alliés. Et ils foncent tous, comme je l'ai dit, comme des putains de demeurés au corps à corps, en plein conflit armé. C'est débile. Ce qui me surprend pas mal quand même, parce que pour autant que je sache, cette section elle m'a jamais posé de problème, quoi. Je l'ai même faite en difficile une fois, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je l'ai faite en difficile. Allez! Allez!
Le noyau est explosé. Le pistolet en gravité, Gordon. Ah! Putain, mais... J'hallucine, quoi. Je me tourne deux secondes. Sérieusement? C'est du délire. C'est du putain de délire. Voilà. Et en plus je lag. Allez, vas-y, dis-moi que je peux désactiver le truc. Allez. Allez. Ah, il faut vraiment qu'on soit rempli jusqu'à la gueule d'ennemis pour pouvoir faire ça. Le pistolet anti-gravité, Gordon. Putain. Ok, bah moi je fonce parce que franchement, nique sa mère. Putain, mais sérieux quoi, c'est pas possible. Ok, Barney doit être de l'autre côté de ce... canal. Oh. Autrefois, il y avait un pont. Ah, c'est dommage. J'essaie de trouver un autre chemin. On va encore se séparer, c'est ça? Non, franchement, sans déconner... Attendez-moi ici. J'ai jamais eu autant de mal sur, sur cette section de ma vie. Jamais je n'ai eu autant de mal sur cette pauvre section à la con. Ça fait vraiment de la peine. Ouais, moi je fais quoi en attendant? Je me la touche? Enfin... C'est un bel endroit, hein, j'aime bien. Eh, dis, si tu voulais jouer à Assassin's Creed, fallait le dire tout de suite, hein. J'aurais changé de jeu, hein. Ah, enfin. Oh. Un peu loin. Eh, on dirait qu'on peut traverser en contrebas. Allons par là. Ah, non. Quoi? Ouah. Qu'est-ce qu'il y a? Alix. Alix. Ici. Mais on va où? Mais t'es où? Alix? Alix? Merde! Qu'est-ce que je fais? Bon bah on va descendre alors. Attention à la fracture. Ah c'est bon, pas de fracture pour une fois. Ok, on va se casser. Juste le temps de se saisir de cette petite boîte de munitions. Et c'est tout. Je vais pas poursuivre plus longtemps. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Ah, bon. Bah écoutez, j'espérais arriver quelque part avant la fin de l'épisode, mais apparemment ça sera pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, désolé. Je suis vraiment désolé. Donc c'est ici que je vais vous abandonner, j'ai failli tomber. Je vais sauvegarder. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour cette démonstration de manque de talent. Enfin bref. Donc merci d'avoir regardé, portez-vous bien, je vous retrouverai la prochaine fois dans ce let's play de Half-Life 2. Bye.